haine, le livre et le fléau des dictatures, Alberto Mengele. Bravo. Il n'y a vraiment que deux choses qui puissent faire changer un être humain. Un grand amour ou la lecture d'un grand livre. Paul des Allemands. Une vie sans lecture est une vie que l'on ne quitte jamais, une vie entassée, étouffée de tout ce qu'elle retient. Christian Bobin. Lecture, une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Arlette Laguiller. La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se trouver. Jean Guénaud. Oh. Je ne sais pas bien lire. La lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. Louis Aragon. Les amoureux de la lecture ne vont jamais au lit tout seuls. Anonyme. La lecture est un acte d'identification. Si nous comprenons ce que nous lisons, c'est que les sentiments exprimés sont déjà en nous. Madeleine Chapsal. Je ne suis jamais seul, ni totalement abandonné du moment qu'il y a des livres. Tous les livres, en somme, vous. Car les livres, ce sont les autres. Présents, absents. Madeleine Chapsal. La lecture est le premier instrument de la liberté et elle est la première chose à défendre. Christian Auster. La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. Daniel Pénac. La lecture est un aliment de choix, pas du maïs à gaver les oies. Et si l'appétit vient en mangeant, il vient aussi à regarder les autres, se délecter. Ceux qui lisent parleront de leur lecture à leurs camarades. Leur plaisir se communiquera. Jeanne Benhamer. Je crois que la lecture est une chose extraordinaire parce que ça nous permet de vivre plus de vie que celle que nous vivons nous-mêmes. On peut avoir l'expérience de beaucoup de réalités. Stephen King. Un des problèmes que l'on rencontre avec les techniques de lecture rapide, c'est que le temps qu'on se rende compte qu'un roman est ennuyeux, ben on l'a déjà terminé. Franklin Jones. Aucune philosophie, aucune analyse, aucun aphorisme, aussi profond qu'il soit, ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens, avec une histoire bien racontée. Anna Arendt. Peu importe ce que les jeunes lisent, c'est le muscle de la lecture qu'il faut faire travailler. Et personne n'a besoin de débuter avec Marcel Proust. Pierre Charras. Bonsoir. Bonsoir. Alors je crois que ce soir, c'est vraiment l'esprit veillé. Hein. C'est ces moments où on se rencontre chez des gens et puis il y en a un qui essaie de faire rire avec une blague, un autre qui lit un poème, un autre qui sort une guitare, un autre qui raconte son enfance, des histoires, etc. Ben aujourd'hui, ça va être ça. Hein. Vous allez intervenir et vous allez lire vos coups de cœur. Alors, c'est sûr que ce sera bien lu, parce que quand on lit un coup de cœur, ben, on lit bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous nous avez entendu quand on a lu. Est-ce que ça s'entend? Tout le monde entend bien? Oui. Bon, il faut pousser un peu la voix. Hein. Ceux qui vont lire, il va falloir pousser la voix. Vous viendrez ici, vous pourrez poser votre texte sur le... comment ça s'appelle ce machin? Pupitre. Voilà, sur le pupitre. Vous avez des lampes qui vous éclairent, donc vous verrez normalement très bien. Voilà, et vous vous positionnez ici, comme ça, ici, tout le monde vous voit. La salle est un peu particulière, mais la position est idéale, là. Voilà, si vous voulez bien éteindre vos téléphones, quand même, pour respecter ceux qui vont lire... je vais appeler les personnes qui se sont inscrites pour lire les unes après les autres. Vous venez, prenez votre temps, il n'y a pas le feu, vous vous installez et vous nous lisez le texte que vous avez choisi. Ça va comme ça? Oui. Allez, voilà, ben, on a démarré. Très bien.
Marie-Christine Vandourne, au hasard. Alors Marie-Christine Vandourne va nous lire du Baudelaire. Elle va nous lire vraiment quelque chose qui est une invitation, l'invitation au voyage. Si vous me le permettez, je vais ajouter une phrase à toutes celles que vous avez mentionnées. Cette phrase, elle ne me quitte pas depuis l'âge de 10 ans. Elle m'a été donnée par ma mère. Et c'est la suivante. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipée. Et je crois que la lecture, comme l'écriture d'ailleurs, est très consolatrice. Alors j'ai choisi en effet un texte de Charles Baudelaire, parce qu'il est né il y a 200 ans. Alors on commémore des personnes importantes comme Brassens, comme La Fontaine, mais Charles Baudelaire est l'un de nos poètes les plus connus dans le monde et plus traduits dans le monde. L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés ont pour mon esprit les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Merci. J'invite maintenant Daniel Serre à venir nous lire un texte de Jean-Manuel Serra qu'il a écrit pour Machado après l'invitation au voyage. Parlons du chemin. Merci, donc c'est une bonne transition, en effet, puisque j'ai choisi de Juan Manuel Serra une chanson qu'il a dédiée au poète Antonio Machado. Sur un thème que vous connaissez sans doute. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Le reste est traduit en français. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, tout passe et tout demeure. Mais notre sort est de passer, passer en traçant des chemins sur la mer. Jamais je n'ai cherché la gloire, ni cherché à laisser dans la mémoire des hommes ma chanson. J'aime les mondes subtils, légers et aimables comme des bulles de savon. J'aime les voir se peindre de soleil et de rouge, voler sous le ciel bleu, trembler soudainement et se rompre. Toi qui marches, ce sont tes traces qui font le chemin, rien d'autre. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. En marchant se fait le chemin et lorsqu'on se retourne, on voit le sentier que jamais on empruntera à nouveau. Toi qui marches, il n'existe pas de chemin sinon un sillage sur la mer. Il fut un temps dans ce lieu où aujourd'hui les bois s'habillent d'épines, on entendit la voix d'un poète crier « Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. »
coup après coup, vers après vers, le poète mourut loin de chez lui. Il est recouvert par la poussière d'un pays voisin. En s'éloignant, on le vit pleurer. Quand le chardonneret ne peut chanter, quand le poète est un pèlerin, quand il ne sert à rien de prier, toi qui marches, il n'est pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Coup après coup, vers après vers. Voilà. Alors Sophie va nous lire un texte de François Cheng, Méditation sur la beauté. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le texte. Une création artistique digne de ce nom, dévisageant tout le réel, se doit d'entretenir les deux dessins. Elle doit certes exprimer la part violente, souffrante de la vie, ainsi que toutes les formes de déviation de ce que cette vie engendre, mais elle a également pour tâche de révéler ce que l'univers vivant recèle de beauté virtuelle. Chaque artiste, en somme, devrait accomplir la mission assignée par Dante, explorer à la fois l'enfer et le paradis. L'art authentique est en soi une conquête de l'esprit. Il élève l'homme à la dignité du Créateur. Il fait jaillir des ténèbres du destin un éclair d'émotion, de jouissance mémorable, une lueur de passion et de compassion que l'on peut partager. Par ses formes toujours renouvelées, il tend vers la vie ouverte, en abattant les cloisons de l'habitude et en provoquant une manière neuve de percevoir et de vivre. Il a le don de se justifier par son existence propre, par la chose en soi. En lui, l'homme peut puiser une raison d'être pour son existence terrestre. Comment ne pas songer alors aux strophes désormais célèbres de Baudelaire ? C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix, c'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Maintenant, Jean-Louis Sabot. Jean-Louis va nous lire un texte d'Isabelle Calice-Sabot, qui est présente, évidemment, qu'on applaudira en même temps que Jean-Louis. Et il va nous lire le poème du temps qui passe. Alors, poème au temps qui passe. Déjà s'en sont allées les saisons, les années. Déjà ont disparu les semaines, les mois. Déjà se sont enfuies les heures surannées. Déjà sont confondues hier et autrefois. Déjà s'est envolée l'insouciante jeunesse. Déjà sont oubliées les erreurs, les conflits. Déjà sont adoucies les anciennes tristesses. Déjà sont consolées les peines, les soucis. Déjà passe le temps. Dans ma mémoire vaine, déjà gisent les pleurs, les regrets, les soupirs. Déjà le jour se meurt, dans la nuit, déjà la nuit ramène sa grande ombre étoilée de lointains souvenirs. Voilà. Brigitte Saint-Martin. Brigitte va nous lire le début d'un roman à paraître de Christelle Chavanne qui s'appelle « Le nom du quartier ». Qui est dans la salle. Christelle qui est dans la salle, pardon, tu as raison. Qu'on applaudira en même temps que Brigitte. Depuis le début. Algérie, le ciel est bas. Ici, il est loin, mais à l'horizon, il est bas. Il est allongé sur elle. Belle, lisse, comme tous les matins, reposée, elle a passé la nuit tout agitée à faire l'amour avec les nuages, avec le ciel, les étoiles. Et là,
À l'heure où on se lève, elle dort, calme, la mer. Elle nous sépare de ce pays qui est le nôtre et qu'on ne connaît pas, où nous ne sommes pas nés, que nos parents ont quitté il y a longtemps pour trouver autre chose qu'ils cherchent encore. Peut-être, sûrement, on cherche toujours quelque chose, puis autre chose. C'est drôle notre vie, c'est comme si quelqu'un l'avait écrite pour nous, exprès pour nous, sur mesure, avec juste un petit décalage dans le temps, sur le lieu. Mais quelle importance! Je les revois, tes yeux roux, cachés derrière le muret, sur le chemin de l'école pour me sauter dessus, me surprendre. Et je me faisais avoir à chaque fois. Pourtant, je le savais, je m'y attendais. Mais c'était plus fort que moi. Je sursautais systématiquement et tu riais, la bouche entrouverte. Les dents blanches dans le soleil laissaient échapper ce rire, le même qu'aujourd'hui, celui de quand tu es heureuse, espiègle, généreuse, amoureuse. Tu marchais devant moi, faisant mine de ne pas m'attendre. À chaque pas, un petit paquet de poussière se soulevait et rentrait dans tes sandales. Je savais exactement combien de pas tu pouvais faire avant que ça ne devienne insupportable. Tous les 38 pas, tu sautais sur un pied et sans t'arrêter, tu vidais la petite espadrille, la remettais à ton pied, puis l'autre aussi, et sans te retourner, tu me criais « Ça te fait rire? Tu veux voir si je te roule dans la poussière ?» Et immanquablement, tu t'es lancé vers moi, me mettais à terre en me chatouillant. J'avais beau m'enfuir comme une sauvage, une dératée, tu me rattrapais toujours. J'adorais ça. Et c'est là, dans ces moments de joie, que nos rires allaient crever le ciel, dans un écho qui rebondit en moi encore à ce jour. Jour où je suis vieille et pleine de ces souvenirs que quelqu'un a écrits pour nous donner la chance et la liberté d'avoir existé. Exister vraiment, ensemble. On habitait dans ce quartier pauvre. Tu vois, j'ai oublié ça, le nom de notre quartier. Tu t'en souviens, toi ? D'appeler qui ? Où est-ce qu'elle est ? Calista Bru. Viens venir, s'il te plaît. C'est un plaisir immense d'avoir une jeune fille comme toi pour nous lire quelque chose. Et tu as décidé de nous lire quoi alors ? La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Alors tu parles un peu fort, hein, d'accord ? Pour qu'on t'entende. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermicelle. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant toute fois l'animal, intérêt est principal. » Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à sa emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Alors, autre chose exceptionnelle, on va nous lire maintenant du catalan. Chapelle wow. Robert Saquet. Bonne nuit à tout le monde. Je voudrais vous parler de Joseph Sébastien Pons, qui a été un grand poète roussillonnais. Il est né à Isle-sur-Tête en 1886. Il aura été une des figures les plus marquantes de la littérature nord-catalane du XXe siècle. Parmi ses poèmes, j'ai choisi ce soir « L'abeille ». Joseph Sébastien Pons y décrit une vieille dame assise sur le pas de sa porte, une grand-mère immobile, perdue dans ses pensées et ses souvenirs, qui voit s'égrener les heures du jour au rythme des cloches de son village roussillonnais. Une grand-mère, comme je les ai connues, une grand-mère qui aurait pu être la mienne. Elle a calé la vache, s'installe pas à la porte, là que l'hiverne guardava al rocco de la via. I mira al sol bronzent, la rosa a lliti clar, com un llumenet d'oli, sa pupilla mig morta.
fent ressaltar sa cara té son caire nuat i en els genolls reposen ses mans emmorenides. Endrecen els mainatges paraules atendrides, més les troben estranyes i plenes de passat. Allà baix, l'aigua corre entremig dels esbatges i brillen les aixades sota el fullam dels horts. L'abella, en sa cadira, rumia sols records, sola, en la quietud daurada del vilatge. Troba que és bel el pla del nostre Rosselló. Ignora si a terra enllà de les muntanyes s'està al pas de la porta. Són mortes ses companyes. En un tupí escuat s'esbadà d'una flor. Un fum blavenc s'exhala a cada ximeneia. Ses netes a la font se'n baixen amb el poal. Tot d'una, la campana, amb un so sempre igual, va sonar el pel rosari. S'és moguda, la vella. Gràcies. Annie Lambridge, Lambridge. Ah, on a des progrès à faire. Annie va nous lire un texte sur la transmission qui porte le titre de Marie-Lou Magdalena. Oui, et j'ai d'autant plus le plaisir et je suis très réconfortée d'avoir entendu le catalan auparavant. Merci. Voilà, voilà, alors ce texte inaugure un écrit sur la vie de mes grands-mères. Marie-Lou Magdalena, Paris 2010. Je suis au théâtre pour découvrir la mise en scène d'une œuvre de Garcia Lorca dans laquelle joue ma petite fille Marie-Lou. À mes côtés, Isabelle, sa maman, et Madeleine, 6 ans, la benjamine de la fratrie. Instant de bonheur total, où toutes trois réunies dans cette attente fébrile, l'intensité du lien affectif pénètre jusqu'à la fine pointe de mon être. La Casa de Bernarda Alba, c'est dans les jeunes franquistes que Federico Garcia Lorca écrit sa dernière pièce de théâtre avant sa mort en 1936. Parti d'un souvenir d'enfance qui l'avait beaucoup impressionné, il relate un univers de femmes où, après la mort du père, la mère exerce une tyrannie sans merci sur ses 5 filles, leur imposant de rester cloîtrées afin de respecter son veuvage. Andalousie, 1920. Les trois coups traditionnels imposent le silence dans la salle obscure. Sur un côté de la scène repose un cercueil, rehaussé d'un énorme crucifix. Dans le halo de la lumière des bougies, drapant l'espace théâtral, des silhouettes noires se déplacent furtivement. Tranquillement, la douce torpeur de la mort enveloppe toute l'assistance jusqu'à la sidération. De temps à autre, au murmure échangé, le verbe « haut » de la mère retentit. C'est dans ce climat inquiétant qu'entre en scène Magdalena, la deuxième fille de Bernarda Alba. La silhouette est lancée, habillée de deuil jusqu'aux chevilles, le chignon bien ajusté sur la nuque. Marie-Lou Magdalena s'avance d'un pas tranquille et léger, accompagnant l'ondoiement de la longue étoffe noire. L'intensité du faisceau de lumière caressant son visage juvénile reflète la beauté d'une icône. Grâce à la magie intemporelle de l'art, sa trisaïeule, ma grand-mère maternelle, m'apparaît. Dans la séquence amour filial, cet arrêt sur image inopinée surgit du défilé des générations. Le cante rondo se répand en sourdine dans l'auditoire. Progressivement, il m'étreint, intimement, jusqu'à l'indicible. Réincarné, interrogeable, le passé s'impose. Je n'ai à me souvenir de vous. Vous êtes le présent qui s'accumule. René Char. C'est à toi. Marie va nous lire un extrait de La plaisanterie de Milan Kundera. Je n'avais pas envie de déjeuner ici.
Depuis mon réveil, l'obsession me tenait d'un substantiel repas d'œufs et de lard fumé, avec un verre d'alcool pour me revigorer. Le souvenir me revint d'un restaurant situé un peu plus loin, sur une autre place avec un square et un monument baroque. Il n'y avait sans doute rien de bien engageant, mais pourvu que j'y trouve une table, une chaise et un garçon disposé à me servir. Je passais à côté du monument. Le piédestal soutenait un saint. Le saint soutenait un nuage. Le nuage, un ange. L'ange, un autre nuage, sur lequel était assis un ange, le dernier. J'ai levé mon regard le long du monument. Cette touchante pyramide de saints, de nuages et d'anges, dont la lourde masse de pierre simulait les cieux et leur profondeur, tandis que le ciel réel, bleu pâle, demeurait désespérément loin de cette poudreuse portion de terre. Bravo. Et si on nous parlait un peu d'amour maintenant ? Nicolo, le page tourni, s'il te plaît. Nicolo va nous lire un texte de Félix Radu. Alors voilà. Alors voilà. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait, enfin, on parte tous les deux. Oui, bien sûr. Ça paraît complètement barge, dit comme ça. Mais imagine, on se casse, là, maintenant, à l'autre bout de la terre, sans se retourner. De toute façon, la terre est ronde. Alors regarder devant soi, c'est comme regarder derrière, non ? Arrête, je suis sérieuse. Qu'est-ce que tu dirais ? T'as jamais eu envie de balancer ta caisse, de claquer ta porte, de gifler ton voisin ? Je sais pas, moi, il n'y a pas des soirs où tu as la tête qui tourne vide dans ton lit ? T'as pas des rêves au galop dans ta poitrine, toi ? Ils font quoi, tes rêves ? Ils piétinent ? Ils marchent sur les pieds ? Ils ont des chaussettes ? Allez, allez, viens, on part, on crie, on danse, mieux, mieux, mieux ! On vient, on tombe amoureux ! On ferait deux fois le tour du monde, parce que le premier, on ne se serait pas quitté des yeux. On prendrait la voiture, le taxi, le bateau, le vélo, la trottinette, on s'en fout. Pourvu que ça avance, pourvu que ça gronde, pourvu que ça nous arrache à ce décor morbide qui pue la mélancolie. Et puis, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, s'il y a des gens pour ne pas y croire, et pour jeter sur nos rires leurs regards d'oiseaux velus, démoniaques, ben, on les emmerdera. Ah, mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire les grands mots ici. Mais tant pis, on vivra d'amour, de cookies, on récitera des vers uniquement parce que c'est joli. Madame, si les baisers s'envoyaient par écrit, vous liriez ma lettre avec vos lèvres. Que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirais qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit. On sera de ceux qui ne marchent pas sur les lignes des pavés de supermarchés. On sera de ceux qui ont des fous rires à minuit, de ceux qui se réveillent pour se dire « je t'aime », de ceux qui disent « farouche, pédoncule », parce que ça sonne tout bizarre dans la bouche. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait la course ? Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas tapé des barres en regardant les nuages en forme de caniche dans le ciel ? Combien de temps que tu ne t'es pas bien fait kiffer ? Je veux dire réellement kiffer. T'entends pas dans ta poitrine ? Eh, ce n'est pas ton cœur qui bat. Oui, c'est l'enfant qui est en toi, qui frappe. Il est temps de lui ouvrir. Allez quoi ? La vie, ça brûle. Et si ça ne te brûle pas, c'est que tu ne vis pas. Tu comprends pas ? N'écoute pas les gens qui disent « Robin, il est mort à 83 ans, mais il a bien vécu. » Mais ce n'est que des conneries. C'est quoi 83 ans face à l'éternité. C'est quoi 83 ans
face à la Voie lactée, face à 197 pays. C'est quoi 83 ans face à tous ces rêves qu'il nous reste à accomplir? T'as pas envie d'hurler, toi? T'as pas envie de secouer l'univers? T'as pas envie de lécher le sommet du Mont Blanc, même du Canigou? T'as pas envie de dessiner des cœurs dans les dunes du Sahara? T'as pas envie de faire un basket sur la Lune? Allez, un peu de fantaisie, quoi. Un peu de folie, que diable. Un peu d'insolence. De quoi t'as envie, là, maintenant? Pose-toi la question. Viens, on le fait. La première chose qui te vient, tu l'ajoutes à l'itinéraire. C'est ça, la vie, une suite de déviations. Nous, on veut des virages, on veut des bosses, on veut même des PV d'excès de vivresse. On veut de la musique à fond dans les casques et des lettres d'amour dans nos boîtes à courrier. Parce qu'il est l'heure de s'enivrer, disait Baudelaire. Il n'a pas dit que des conneries, ce mec. Il est l'heure de s'enivrer. C'est beau, non? Alors voilà, vous et moi, le temps d'une lecture, j'ai la sensation qu'on aura voyagé ensemble. Oh, pas très loin, quelques minutes tout au plus. Ceux qui se souviennent de leur premier baiser le savent. On peut, quelquefois, faire des kilomètres dans une poignée de secondes. Marie-Christine Vendôme, tu voulais nous lire encore un Baudelaire. Si vous voulez bien. Il a du succès. Mais il a été, voilà, il a été cité, ça m'a ravi. Même si le texte que je choisis est un peu douloureux, mais les douleurs dites s'évanouissent. Je crois que je le sais. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel, en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Merci. Merci. Une chanson de Félix Leclerc. Je redouble. De plaisir, j'espère. C'est à perte de vue que j'avais du beau blé, mais tu ne l'as point vu. J'en suis pas consolé. Le petit du voisin qui était si joli est devenu vaurien depuis qu'il a grandi. Si, on t'a attendu, mais tu n'es pas venu. Tu aurais vu du beau blé. Maintenant, il est coupé. J'ai retardé tant que j'ai pu avant de couper mon blé. Mais, quand le froid est venu, a bien fallu le couper. La fille qui t'a aimé est une vieille à présent. Si tu t'étais montrée, elle serait moins vieille sûrement. Puis, le feu a détruit la maison des Bradley. Avant que ça soit rebâti, on sera tous enterrés. La forêt, à son tour, nous t'a gravé des noms. La forêt de tes amours, elle l'a eu en plein front. Nous autres, on tue ce qu'on aime. C'est pas qu'une drôle de vie. Mais ce qui nous fait plus de peine, c'est que tu sois loin d'ici. C'est à perte de vue que j'avais du beau blé. Mais tu ne l'as pas vu. J'en suis pas consolée. Florence Valotter va nous lire du Paul Éluard. Le titre, c'est « Et un sourire », je crois. «
Et un sourire. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Olivia. Je voulais dire quelque chose, Philippe, s'il vous plaît. Je vais découvrir en même temps que vous. C'est un texte d'Amélie Nothomb, tiré de Biographie de la faim. À la fontaine des temples, là où l'eau sans cesse se renouvelait était la meilleure, je remplissais continuellement la louche de bois et je buvais le miracle mille fois ressourcé. L'unique limite était ma capacité, qui était immense. On n'imagine pas ce que contiennent ces petits jéricades. Ce que l'eau me disait était magnifique. Si tu veux, tu peux tout boire. Il n'y a pas une gorgée de moins qui te sera refusée. Et puisque tu m'aimes tant, je te donne une grâce, celle d'avoir envie de moi tout le temps. Contrairement à ces pauvres gens qui cessent d'avoir soif à mesure qu'ils boivent, toi, plus tu me boiras et plus grand sera ton désir de moi et plus vif ton plaisir à l'assouvir. Un sort fabuleux a voulu que je sois pour toi le souverain bien, et précisément celui dont l'absolue générosité te sera accordée. N'aie pas peur, personne ne viendra te dire d'arrêter. Tu peux continuer, je suis ta prérogative. Il est écrit que je te serai octroyé sans mesure, à toi seul qui recèle assez de soif pour me réjouir. L'eau avait le goût de pierre de la fontaine. C'était tellement bon que j'aurais crié si je n'avais pas toujours eu la bouche pleine. Sa morsure était glacée, me tressaillait la gorge et me mettait les larmes aux yeux. L'ennui était qu'il passait souvent des pèlerins à qui je devais prêter l'unique louche de bois. Je trouvais agaçant non seulement d'être interrompu, mais d'être interrompu pour si peu. Chacun remplissait au jet la cuillère géante, en buvait une gorgée, puis vidait le récipient. Ça valait bien la peine. Le sommet était atteint par ceux qui crachaient l'eau par terre. Quelle insulte! Le passage par la fontaine n'était pour eux qu'un rite de purification, au terme duquel ils iraient prier dans le temple Shinto. Pour moi, le temple, c'était la fontaine, et boire était la prière, l'accès direct au sacré. Et pourquoi se contenter d'une gorgée de sacré quand il y a tout ça à boire? Parmi les beautés, l'eau était la plus miraculeuse. C'était la seule que l'on ne consommait pas uniquement avec les yeux et qui pourtant ne diminuait pas. Je buvais des litres et il en restait toujours autant. L'eau désaltérée, sans s'altérer et sans altérer ma soif. Elle m'enseignait l'infini véritable qui n'est pas une idée, ou une notion, mais une expérience. Amélie. Vous avez sauté. Je suis désolé. Alors Yvette, vous allez nous lire. Je vais vous lire des poèmes de Paul Pugnot, qui est un poète bagnoulin que, dont je m'aperçois que personne à Bagnous ne connaît. Mais c'est pas grave, vous allez connaître. Ce sont un peu comme les haïkus. Au contact de l'éclair, l'eau se change en rocher. Une flamme couronne ce triomphe des pierres. Sur son pourtour, elle rallume les bûchers, soulève leurs cendres, frayant la route à tes désirs. Une étincelle a reculé les limites de la lumière. Comme tu vois, comme la voix d'un coquillage invisible au fond des abîmes, les murmures de la forêt ont célébré l'absence. Dans un mélange d'air et d'eau, les futaies se déplacent au rythme lent de la lumière et les visages offrent au regard, offerts au regard, prennent la forme du désir.
Écoutons le silence. Les brumes entourent le ciel. Les oiseaux ont percé la voûte pour atteindre le but. Les orbes du vent se déroulent. La rive effleurée par l'écume accueille mal les arrivants. Leurs corps sont emplis de lumière, comme s'ils arrachaient le feu aux collines de sel. Quand les désirs déracinés tremblent encore, les visages sont habités par une peur qui les incite à craindre l'inconnu, devenu familier. Sur les galets, étend ton corps. Il n'y a plus d'ombre, midi trop fort râpe la plage. Désir d'ailleurs, mousse prairie, source prairie aux ombres douces. Seul ici tu trouveras les frondaisons des profondeurs, sous les reflets de ces eaux dures, pierres en feu, à traverser pour accéder au ciel perdu. Chemin trop parcouru, les ornières se comblent et les regards oublient dans les allées de ce jardin. Poussent les algues de la mer qu'un jardinier venu de loin sema pour retrouver sa vie. Bravo. Mais il y a des antiponaises. Non, mais c'est bon. C'est bon. Oui. Enfin, c'est bon, c'est vite dit. Entre ce que je vois et dis, entre ce que je dis et fais, entre ce que je fais et rêve, entre ce que je rêve et oublie, la poésie. Elle glisse entre le oui et le non. Elle dit ce que je tais, elle tait ce que je dis, elle rêve ce que j'oublie. Elle n'est pas un dire, elle est un faire. Elle est un faire qui est un dire. La poésie se dit et s'entend, elle est réelle, et à peine je dis elle est réelle, elle se dissipe. Est-elle ainsi plus réelle? Idée palpable. Mot impalpable. La poésie va et vient entre ce qui est et ce qui n'est pas. Elle tisse ses reflets et les détisse. La poésie sème des yeux sur la page, sème des mots dans les yeux. Les yeux parlent. Les mots regardent. Les regards pensent. Entendre les pensées, voir ce que nous disons, toucher le corps de l'idée. Les yeux se ferment, les mots s'ouvrent. Et c'est de Octavio Paz, je comprends pourquoi c'est difficile de dire de la poésie. Je vais lire un petit extrait des Ruskov de Cavana. J'ai toujours la tête qui combine des trucs. Tu lui donnes n'importe quoi, un mot, une herbe, une image, un bruit, un copeau. Elle commence à tourner autour, elle le flaire, elle le retourne sur le dos, sur le ventre, elle fait des rapprochements, elle essaie des trucs, comme quand tu as une serrure et un gros paquet de clés. Elle file dans les généralités, se raccroche à l'universel, philosophe à tout berzingue. Naturellement, elle déconne 9 fois sur 10. Elle s'amuse bien, n'empêche. Tout l'intéresse, tout l'amuse, tout lui est rébu excitant, dont la solution doit, d'une manière ou d'une autre, se rapprocher du grand tout. Elle grignote la nouveauté comme une souris grignote le fromage. Une souris gourmande et joyeuse, bien sûr, jamais en repos, toujours frétillante. Elle avale tout, elle garde tout. Le loge où il faut, quelque part, dans une petite case, juste la bonne case avec une étiquette dessus. Et un petit déclic avec une petite lampe, rouge la lampe. Dès que du nouveau se présente, infime ou énorme, des déclics s'enclenchent dans tous les coins, des lampes s'allument, rouge. Des circuits s'arabesquent, des parce que font lever des pourquoi. Quelle merveille le dedans d'une tête. Une véritable ville flottante, dirait Jules Verne. La mienne et moi,
On s'ennuie jamais ensemble. Je découvre aussi le texte en même temps que vous. Ça s'intitule « Solitude lumineuse, image de la forêt ». L'autobus quittait Penyang et devait traverser la forêt et des villages indochinois pour arriver à Saïgon. Personne ne comprenait ma langue et je ne comprenais pas, moi, la langue de personne. Nous nous arrêtions dans des recoins de forêt vierge. Au long de ce chemin interminable, les voyageurs descendaient. Des paysans aux yeux obliques, dignes et taciturnes, habillés d'une façon bizarre. Déjà, nous n'étions plus que trois ou quatre à l'intérieur de l'imperturbable guimbarde qui grinçait et menaçait de se disloquer dans la nuit chaude. Soudain, je me sentis pris de panique. Où étais-je? Et où allais-je? Pourquoi passer cette nuit sans fin au milieu d'inconnus? Nous traversions le Laos et le Cambodge. J'examinais les visages impénétrables de mes derniers compagnons de voyage. Ils gardaient les yeux ouverts. Leurs mines me parurent patibulaires. J'avais l'impression de me trouver au milieu de typiques bandits d'un conte oriental. Ils échangeaient des regards d'intelligence et m'observaient du coin de l'œil. Au même moment, l'autobus s'arrêta silencieusement en pleine forêt. Je choisis mon siège pour mourir. Je ne les laisserai pas m'emmener pour être sacrifié sous ces arbres ignorés dont l'ombre épaisse cachait le ciel. Je mourrai ici, sur une banquette, dans cet autobus déglingué, ici, sur une banquette, au milieu des paniers de légumes et des cages de volailles, mes seuls éléments familiers en une minute aussi dramatique. Je regardais autour de moi, décidé à affronter la rage de mes bourreaux, et je constatais qu'eux aussi avaient disparu. J'attendis longtemps, seul, le cœur serré devant l'obscurité intense de la nuit étrangère. J'allais mourir sans qu'on l'apprît. Et si loin de mon petit pays aimé, si loin de mes amours, de mes livres. Brusquement, une lumière apparut, puis une autre lumière. Le chemin se couvrit de lumière, un tambour roula et les notes stridentes de la musique cambodgienne éclatèrent. Flûtes, tambourins et torches remplirent de clarté et de son le chemin. Un homme monta et me dit en anglais « L'autobus est en panne ». Comme l'attente sera longue, peut-être jusqu'à l'aube, et qu'il n'y a rien ici où dormir, les passagers sont allés chercher une troupe de musiciens et de danseurs pour vous divertir. Durant des heures, sous des arbres qui ne me menaçaient plus, j'assistais aux merveilleuses danses rituelles d'une noble et antique culture et j'écoutais jusqu'au lever du soleil la délicieuse musique qui envahissait le chemin. Le poète n'a rien à craindre du peuple. La vie, me semble-t-il, me faisait une remarque et ne donnais-je jamais une leçon. La leçon de l'honneur caché, de la fraternité que nous ne connaissons pas, de la beauté qui fleurit dans l'obscurité.
Pablo Neruda. Étonnamment d'actualité. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontars des autres. Albert Einstein. Comme une grande musique que l'on peut réécouter sans fin, les grands romans sont faits eux aussi pour des lectures répétées. Ilan Kundera. Lire nous confirme que la solitude est un trésor. Un livre peut changer une vie. Et dire qu'il n'y a aucune mise en garde inscrite sur la couverture. Sylvain Tesson. On ne devrait lire que des livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon lire ? Franz Kafka. Un lecteur vit 1000 vies avant de mourir. L'homme qui ne lit pas n'en vit qu'une. Georges Martin. J'aimais lire et manger en même temps. C'était merveilleux, les histoires d'amour avec une portion de gouda. Les récits d'aventure avec du chocolat aux noisettes. Les drames familiaux avec du muesli. Les contes de fées avec des caramels mous. Les romans de chevalerie avec des cookies. Katharina Agena. On peut vivre sans jamais rien lire et être humainement quelqu'un de bien. Mais la non-lecture a des effets très négatifs, ce qu'on n'ose pas dire en général. Je trouve que les adultes qui ne lisent jamais rien vieillissent mal. Quelle que soit leur qualité par ailleurs, même ceux qui voyagent, qui ont des pratiques culturelles, comme on dit, j'ai l'impression qu'ils sont mutilés. Daniel Salenave. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Jules Renard. Le bonheur de lire est tellement imprévisible qu'un lecteur exercé s'en étonne lui-même. Alain. Pour lire un roman, il faut 2 ou 3 heures. Pour lire un poème, il faut toute une vie. Christian Bobin. À force de lire, j'ai des livres de poche sous les yeux. Vincent Roca. Lire est une obscénité bien douce. Qui peut comprendre quelque chose à la douceur s'il n'a jamais penché sa vie tout entière, sur la première page d'un livre ? Non. L'unique, la plus douce protection contre toutes les peurs, c'est celle-là. Un livre qui commence. Alessandro Barrico. J'aime lire comme une poule boit, en relevant fréquemment la tête pour faire couler. Je le renard. Dans l'excès du bonheur, lire est bien difficile. Cependant, on s'ennuie à la longue si on ne lit pas. Stendhal. Ah ben, il va falloir qu'un jour je me décide à lire les livres que depuis 30 ans je conseille à tous mes amis de lire. Sacha Guitry. Ouais. Bravo à tous les lecteurs. Des talents à Bagnouls, hein, voilà, il y en a beaucoup. Et bravo aux enfants qui sont restés des auditeurs parfaits. Bravo. Bravo à toi. Voilà, nous ferons une nouvelle veillée, mais cette fois par les lecteurs des veillées de Bagnouls, le 18 décembre. Nous lirons des textes sur le thème des animaux. On y trouvera du La Fontaine, puisqu'il aurait combien cette année ? 400 ans. 400 ans, c'est un peu vieux. Bien vieilli. Voilà. Mais il a bien vieilli. Il a bien vieilli. Et d'autres textes, évidemment, sur, donc, sur le monde animal. Voilà, quelques annonces encore. J'aimerais bien qu'on parle de la bibliothèque qui
qui accueille ici des lecteurs assidus, qui possède beaucoup de livres, on l'ignore, mais il y a un très beau stock de livres très intéressants ici. On y trouve les dernières parutions autant que les grands classiques. Et je vous laisse la parole. Merci. Alors, Cynthia, nous sommes ravis de vous avoir accueillis ce soir à la bibliothèque. Alors, nous faisons partie d'un réseau national et associatif, culture et bibliothèque pour tous. Nous possédons environ 9000 ouvrages, donc dans les trois salles, principalement des romans, mais aussi des policiers, des biographies, des livres pour enfants, des livres régionaux, des BD, voilà. Nous achetons des nouveautés tous les mois. Ensuite, pour les gens qui sont intéressés, notre abonnement annuel est de 15 euros. C'est pour l'année civile. Donc, si c'est un mois de l'année, par exemple en juillet, de juillet à décembre, on fait au prorata, on calcule au prorata. Et sinon, on a des abonnements pour les touristes. Pour la famille. Oui, c'est pour la famille entière, 15 euros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes ouverts le lundi, actuellement, en hiver, le lundi de 15 à 17 heures, ainsi que le samedi. Voilà, de 15 à 17 heures. Si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Avec plaisir, c'était un grand plaisir. Notre poésie. Anne a aussi le nom de son père. Moi, désolé. Anne fait partie d'une chorale que vous avez peut-être déjà voilà. Je préfère de votre présence à tous pour vous confirmer, si vous l'avez déjà lu, que nous donnons un concert, la chorale Liberamé, sous la direction d'Isabelle Serralta, avec au piano Bénédicte Vermersch. Nous donnons donc un concert dimanche 7 novembre à 17h en l'église Saint-Jean-Baptiste à Bagnols. Venez nombreux, nous avons un répertoire magnifique. Merci. Merci à tous et bonsoir et à très bientôt.